l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo unboxing que je ne fais jamais sur ma chaîne. Je sais que j'ai fait une seule vidéo unboxing, enfin un vrai unboxing avec un vrai colis comme ça. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour faire cet unboxing. Donc c'est un partenariat avec la marque Rose Gall. C'est une marque que je ne connaissais absolument pas jusqu'à ce qu'ils viennent me contacter. J'ai fait un petit tour sur leur site, rien ne m'intéressait niveau vêtements. Donc sur le coup j'allais leur dire non, mais je suis allée voir leurs accessoires, leurs bijoux, tout ça tout ça. Et c'est vrai que là par contre ça m'a intéressée. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de prendre plutôt des accessoires. C'est vrai que pas beaucoup du tout souvent ça, on va pas aller tester des accessoires chinois, donc c'est un site chinois. Et moi c'est ce que j'ai fait, vous allez voir qu'il y a des sacs, des bijoux, des objets, enfin vous allez voir un peu ce que j'ai pris, je vais l'ouvrir en même temps que vous, même moi je me souviens plus trop ce que j'ai pris. Donc voilà, ça va être la découverte en pleine vidéo. Donc c'est parti, on commence tout de suite pour découvrir le paquet. À première vue, on voit un peu les colis qui sont là. C'est un peu galère, je sais même plus ce que j'ai pris. Ok, donc là déjà un paquet qui est à moitié ouvertement fermé. Il a pas dû être très solide ce carton, il a dû être jeté, j'espère qu'il y a rien qui est pété. Mais en fait je suis même pas sûre d'avoir tous les colis en fait. Franchement la qualité a l'air juste trop belle. On va commencer par les sacs parce que c'est vraiment ça que j'attends le plus. Ici j'ai pris un sac comme ça, il est petit, enfin genre il est petit quand même, franchement ça va. Ouais franchement il est beau, c'est un sac en bandoulière, je voulais un sac en bandoulière. Et c'est vrai que j'en avais un mais j'en voulais vraiment un qui sort de l'ordinaire. Voilà, rose un peu pâle parce que je mets d'habitude jamais. Il se trouve qu'il est comme ceci. Oh, on dirait une toilette. Grave, on dirait une petite vanity. Bah attends, y a voilà. Normalement il y a le truc dedans. Alors, ok, donc à première vue c'est de la merde. Alors ouais, alors comme vous voyez, premier défaut, la fermeture est censée être fermée mais c'est ouvert. La fermeture a l'air juste trop merdique. Faudrait la réparer. Oh là là. Ici il y a le truc qu'on met en bandoulière. Ok. On va tirer un peu le... J'aime bien quand il est long. Donc il se présente comme ça. Franchement la bandoulière elle est courte, mais en vrai je pense que ça peut le faire. Ouais, franchement ça peut le faire. Ok. Donc voilà, grave cute. Voilà, on dirait une petite vanity. Moi franchement je le trouve beau. Mais bon, je pense vraiment que les fermetures... Il y a deux fermetures. Ouais, il y a deux fermetures. Oui, mais les deux qui se rejoignent pas par contre, t'as vu. T'as deux côtés en fait différents. Alors au milieu, comment tu t'ouvres pas? Ah ouais, d'accord. D'accord, ok. Bon, ça peut être pas trop mal. Ok, ensuite, un paquet comme ça, je pense que c'est des colliers. Ça pue par contre. Là, ok, c'est des colliers. J'en ai pris un peu beaucoup, je crois, des colliers. J'ai essayé de prendre des rats de cou. J'espère... Oh putain, les manettes, elles sont grosses, je les pensais plus petites. Oh, fais voir. Ça ressemble un peu à ce que j'ai déjà. Bon, s'il faut, je coupe. Hein. Je m'attendais à mieux quand même. Alors là, j'ai pris ça parce que je trouvais ça grave stylé, mais je crois que c'est trop laid. Je voulais que ce soit un collier comme ça, un peu mes menottes chelou là. Ouais, j'aime absolument pas la qualité. Et heureux que je préfère autant ça. Tu peux vraiment. Genre, écoutez le bruit. En fait, ça ressemble à ce que j'ai là, quoi. Ouais, c'est plus beau, tiens. Ensuite, les bagues. Sur plein de bois. Grave. Pas tout, mais elles sont belles. Pour retrouver tous les articles, n'oubliez pas de regarder dans la barre d'infos, il y a tout de base. Alors après j'ai pris ça, le paquet est littéralement pété, on adore, j'espère vraiment pas que les autres clientes reçoivent le truc comme ça. Mais je sais pas si vous vous souvenez des petits trucs à zoom qui étaient graves à la mode à l'époque, genre il fallait absolument en avoir un. On va essayer, ça se clip sur le téléphone, vous voyez. Alors je vais essayer en caméra frontale. Oh! Ah mais il y a un rond. Bah ouais. Mais et toi si j'essaye en mode... Attends, si j'essaye là. Je trouve ça trop stylé. Oh, ma belle tête. Et ça zoom et tu peux... C'est grave d'art. Je vais essayer l'autre. Ah, y'a rien qui change. Non, y'a rien qui change. Ah ouais, ah si, ça dézoome un peu en fait. Je continue dans les petits paquets. Hein, comme ça, c'est épais. Ah. Ça c'est cool. Ça c'est une sorte de perche de trépied, mais pour mon téléphone. Ah c'est bizarre. Elle est grave stylée. C'est bizarre. Bien. On passe le téléphone dans le machin. Ah, en fait, tu peux le tordre. Ah, tu vois que tu peux le tordre. Ah, ouais, ouais. Là, je savais qu'on pouvait le tordre. Ouais. Voilà. Et là. Et en fait, je vous pose, les gars. C'est pratique. Comme ça, personne ne te filme. C'est grave d'art. Ta-da-da. Donc, ensuite, ça, c'est le sac que j'attendais. Genre, c'est des petits sacs à dos. Je trouve ça trop cute. Vous voyez à quoi elle ressemble, c'est trop mais trop kiki. Voilà, ça c'est le sac à dos, tac, tu portes comme ça. Il y a là, des petits trucs bleus qu'on enlève. Hein. Mais voilà à quoi elle ressemble, il est juste trop kiki. Non, et je trouve ça juste trop beau quand tu sors en ville avec mes potes. Ah, faut peut-être tirer quand même sur le côté, t'as vu.
hop, là tu tires, tac tac tac. Vraiment leur sac, et je m'attendais vraiment pas à ça, hein. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit de la merde. Mais clairement c'est super bien. Il y a des petits trucs de rangement là. Hop, hop, je ferme comme ça, tac. Et hop, et là je fais ça. Hop là, voilà. Tac, grave kiki. Donc voilà tout le monde, je n'ai pas reçu tous les colis, donc je pense faire cette vidéo en deux fois. Quand je recevrai les autres colis, bah, je referai une vidéo. Mais du coup voilà, vous voyez un peu un aperçu des accessoires, etc. qu'il y a sur ce site. Et vraiment, bah, je suis pas déçue, malgré les fermetures du premier sac, les colliers, tout ça. Bon, la qualité est pas super, mais c'est du chinois, faut pas, voilà, faut pas chercher loin non plus. Tous les articles que je vous ai montrés en vidéo ici sont dans la barre d'infos. Vous regardez, vous allez sur le site, vous pouvez même voir des vêtements. Non, voilà, j'ai vraiment bien aimé les accessoires, donc ouais. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, à lâcher un petit commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt dans une prochaine vidéo, les gars. Ciao, ciao.